Tout a commencé par un oui. Accepté sans questionner le bruit de la famille, les doutes du mari. L'essentiel est que Dieu a choisi, l'ange l'a dit, le Saint-Esprit a agi. Depuis, elle vit dans l'atmosphère de la sainteté. De ses mains, elle a prié, de ses pieds, elle a brisé la tête du serpent. Elle, couverte de la grâce de Dieu, a marché sur les rails de l'obéissance. La bénédiction a visité son nom, Magnifica. Désormais, toutes les âmes diront bienheureuses. Élisabeth en a fait l'expérience. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Le Verbe de Dieu s'est fait chair en ses entrailles. Le cœur de mon slam l'acclame, la parole en moi ne peut s'empêcher de vibrer, de livrer à ma génération la mission de Marie. Nanguba nopi takungir borombi, djorkonopu mouwak motop sornasi, bourbi la sop. Taroubir la fesse, ngumboudoul djer, tar lumu dis dis, metiba asamanis, moun lay def garabam, gumni yalla du djoum, lumu nangu ti djam damla, Mariama yayla. Ndanan la Kujara Royla. Des anciens à nous, en passant par Sainte Bernadette, Marie s'est montrée l'Immaculée Conception. Cher Ahmadou Bamba chanta avec certitude aux lignes et versets du Fousti. Tu es l'héritière de la noble descendance prophétique et n'est point pécheresse. L'histoire raconte que Dieu l'a démontré. Les anges l'ont fait monter aux cieux. La Vierge, Mère de Dieu, chemin qui mène au Christ. Apprenons de Marie, jeune fille, de Marie mère, de Marie médiatrice, et soutien à servir Dieu dans les cœurs, les esprits. Prie, brille afin de rendre le monde meilleur par un oui. Dire oui même quand les plaies de nos cœurs nous invitent à la table de la peur. Dire oui même quand le désespoir nous attire vers l'abandon. Dire oui même quand les hommes nous chantent l'échec au rythme d'une vie détachée de Dieu. Dire oui même quand la volonté de Dieu s'éloigne de la nôtre, du plan qu'on s'est tracé, les objectifs qu'on s'est fixés. J'aime le Fils, pourquoi haïr la mère? Bénir le Christ, maudire Marie, c'est ne pas comprendre que par son oui, Satan a été vaincu. Elle n'est pas une déesse pour être adorée. Marie, on ne l'adore pas, mais une mère, bénie entre toutes femmes que toute âme doit vénérer dans son cœur. Apprenons à vivre comme Marie. William Slam Corban, catholique, Slam Mortelet.